So, il dit papa So. Ok, continue. Il a été ministre de l'information sous le président Ifo. Ils ont eu 7 enfants. Daouda Boubacar sont décédés. Augustin, qui est l'actuel ministre gouverneur de Yamoussoukro. Ndeye est décédé. Aziz Yamoussou et Tidiane Thiam, qui est aujourd'hui président du PDCI. Amana Berthe, Ayoub Epou Gaïtan, ils ont eu Vanessa et Olivier. Voici pour la généalogie de la famille du président. Donc, c'est pour dire, au fait, depuis, vous êtes en train de dire que il n'a même pas de sang ivoirien. Mais c'est clair dans la vidéo, c'est clair dans cette, je veux dire, dans cette généalogie-là. Ouais, tu sais, quand on veut monter une généalogie, quand on veut monter une généalogie, on commence par les hauts. T'inquiète pas. Vas-y. Je te dis, t'inquiète pas. Il On va n'y aller a pas même à beaucoup de l'autre bout et puis on va filmer de près. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu... Et puis On on va va lancer les t'aider. lives ici, on va les prendre. Voilà. Est-ce que tu sais au moins où s'est présenté cette table généalogique-là? Ben moi, je sais pas. Hein. Ok, d'accord. Tu peux fermer ma caméra, je vais Est-ce que tu intervenir. me présentes Babou Mais c'est là, toi, c'est toi qui as fait ça. Les gars, s'il vous plaît, allons doucement. Suis-moi, Oui, bonjour. Gilbert. Bonjour, comment tu vas? Suis-moi, bonjour. Bonjour, Gilbert. Écoute. Comme j'ai un problème de Je vais descendre parce que ça va me faire descendre. Oui, j'ai dit, je vais descendre. Ça va me faire descendre. S'il arrive, bah, j'attends l'invitation, tu me fais remonter. Ok, Parce que il n'y a pas là, de souci, il n'y a pas de souci. Alors, donc, franchement, je veux dire, est-ce que Thiam n'a pas du sang ivoirien? Est-ce que cette constitution de 2016 n'autorise pas le ministre Thiam à être candidat, à être président en Côte d'Ivoire? D'abord, Célio, En fait, l'exclusivité, la famille d'Ivoire. mais laisse-moi débattre. Ah, ok. Je pensais que tu posais des Non, questions. Je vais finir. Moi, je ne vais même pas durer. Je vais non, non, finir. Je pensais que tu posais des questions. C'est pas que je Ah, demandais. non, ah, ok, d'accord. Non, t'inquiète. Tu vois, est-ce que ça ne lui donne pas le droit d'être président en Côte d'Ivoire? Maintenant, après, vous voulez créer forcément, je veux dire, aujourd'hui, cet aspect-là de catégoriser les Ivoiriens, c'est-à-dire Ivoiriens d'origine, Ivoiriens de ceci, Ivoiriens de cela. Mais nous disons non. Nous disons non, pourquoi? Parce que, je prends un exemple, Kadek Keïta, il est quoi? Il est pété, non? Là, je te pose la question, Oxymore. Kadek Ah, je Keïta, vous sa pose maman, cette Il question. ne répond pas, il n'a qu'à développer. Hey, Il répond pas. La première fois, il m'a demandé si je posais la question. J'ai dit Il non. m'a posé la question. Kadek Keïta n'est pas bété. Kadek Keïta est au Dinéka. Sa maman est bété. S'il te plaît. Manuela, c'est ma modératrice. Elle peut te faire descendre. Tu as ouvert ton micro là. Donc, allons doucement. C'est que vous voulez pas qu'on apporte des arguments. Non, 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 non. On entend parler. Si l'on m'a posé une question, moi, il a dit, Manuela, laisse, il m'a posé une question. Maintenant, toi, tu n'as pas ouvert ton micro à chaque fois pour parler. Donc, je disais Kadek Keïta, que sa maman, elle a un côté pété, on est d'accord. Écoute, Kadek Keïta est ivoirien. Maintenant, c'est qu'on parle, on vous parle de la. On dirait la magistrature suprême, parce que la Constitution dit que c'est la magistrature suprême, vous ne comprenez pas. On vous parle de la magistrature suprême. Sinon, pour être ivoirien, là, il n'y a pas de souci. Mais on dit, pour arriver à la magistrature suprême, là, voici les règles qu'il faut, il faut remplir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne sait pas. Vas-y. Donc, ce que je voulais dire, il s'appelle quoi? Il s'appelle Keïta. Mais on peut aller aussi sur le fait de dire, par exemple, que il y a des Keïta au Mali. Donc, Mais est-ce si que... tu es président. Mais laisse-moi arriver Mais où tu je me veux poses des questions, arriver. bon, vas-y, te laisse, t'as deux Non, minutes. non, laisse-moi arriver où je veux arriver. On peut dire il y a des Keïta au Mali, on est d'accord. Donc, moi, je fais aujourd'hui, je veux dire, moi, ma sœur, elle s'appelle Kwasi. Elle fait aujourd'hui enfant avec, comment on appelle ça? Avant s'appeler Ouédraogo. On sait tous que dans les patronymes en Côte d'Ivoire, là, Ouédraogo, là, ça n'existe pas. Ça, on est d'accord. Mais selon nos tests, selon la Constitution, ces enfants qui s'appellent Ouédraogo, là, ne sont-ils pas ivoiriens? Oui. Donc, est-ce que on va interdire ces enfants-là de devenir président en Côte d'Ivoire ou de devenir cadre? Non. Je suis désolé. On ne peut pas.
Donc, ce que vous êtes en train de dire là, pour moi, c'est un faux problème. Est-ce que le père de Thiam n'avait pas... Non, attends juste. Là, il te pose la question. Est-ce que le père de Thiam n'avait pas la nationalité ivoirienne? Est-ce que sa maman n'est pas boyée? Au moment où Bédi a demandé d'arrêt pour fraude de nationalité, elle n'est pas la nationalité ivoirienne. Oui, maintenant, au fait, pour le... Non, faut pas qu'on mélange. Attends, faut pas qu'on mélange. Pas mélanger, hein. Non, je t'explique pourquoi. Attends. Non, c'est pas une question de PDC, je t'explique. On n'a jamais dit, en tout cas, moi, déjà, j'aime pas trop rentrer dans ce débat, mais je suis monté quand même. Pour Ouattara, là, pour le président Ouattara, c'est vrai, on disait qu'il était burkinabé, mais est-ce qu'il n'était... Personne n'a dit qu'il n'était pas ivoirien. On disait qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité. Mais Thiam aussi s'est prévalu d'une autre nationalité. Oui, mais est-ce que aujourd'hui les tests... On parle de la constitution de 2016. On est d'accord. Est-ce que aujourd'hui la constitution de 2016, en rejetant lui sa nationalité, est-ce que cela l'interdit d'être président? C'est de ça qu'on parle. Allons sur les tests. On suit ce que nous dit notre constitution que les Ivoiriens ont voté. Je demande la constitution de 2016. Vous voyez ça? Il y a toujours ça dans mon téléphone. Ok. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est éligible qu'une seule fois. Il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé d'au moins 35 ans. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Exclusivement de nationalité ivoirienne. Né de père ou de mère ivoirien d'origine. Donc, tu disais quoi, Michel, va voir quoi? En fait, excusez-moi, c'est là, en fait, le débat doit avoir lieu. C'est pas sur le sang. En fait, le débat, là, il doit avoir lieu sur ce point. Merci, Ounsan. Merci, Ounsan. C'est pas sur le sang. Là, je suis d'accord avec ce que vous dites. En fait, effectivement, s'il est franco-ivoirien, il ne peut pas être candidat. Mais c'est pas sur le sang. Le sang, là, Thiam, il est ivoirien. Ça, c'est pour moi, Thiam, il est ivoirien. Que l'on veut ou pas, Thiam est ivoirien. Mais, aujourd'hui, c'est le fait qu'il soit, si le franco-ivoirien, il peut pas être candidat. Et c'est là, c'est là qu'on doit avoir le débat. Mais pour dire que oui, sa maman est comme ça, c'est non. J'ai une question, Oxymor. Moi, je vais te poser une question. C'est sur ce côté-là. Je vais te poser une question, Oxymor. On a entendu sur des panels RHGP des propos comme quoi le président Gbagbo soit de père Sylla, qu'il soit malien. Est-ce que tu peux nous parler de la filiation du père, du président Gbagbo, son père, ses cousins, etc.? Gbagbo, son grand-père, laisse-moi parler, frère. Gbagbo, son grand-père déjà. Hein? Son grand-père, c'est même pas son père. Hein? Son grand-père s'appelle Gbagbo Koudou. Je t'explique. Son grand-père s'appelle Gbagbo Koudou. Son père s'appelle Koudou Zéplès Paul. Et lui, il s'appelle Gbagbo Laurent. Donc, son père lui a donné le nom de son grand-père. Son père vient de Mama. J'ai été au funérailles de son père à Mama. Il faut laisser à faire de tu as été au funérailles. C'est sur le papier de Gbagbo. Tu me poses une question et tu réponds, tu ne me parles d'autre chose. Tu veux voir. Je t'écoute. Vas-y. Dis-nous, c'est quoi que sur ces papiers? C'est quoi que sur ces papiers? Vous allez nous dire. Non, mais toi, dis-nous ce que sur ces papiers. T'es quand même un intellectuel. Faut qu'on soit sérieux. Mais toi, Kevin, dis-nous ce qu'est sur ces papiers. Non, vous allez nous dire, parce que moi, j'entends sur les panels. Non, on ne va pas te le dire. Dis-nous ce qu'est sur ces papiers. Moi, j'entends sur les panels RHGP que son père est malien. Kevin. Mais là, ils n'ont qu'à nous donner l'identité de son père malien, la traçabilité. Non, montrez-nous son père. Kevin, moi, je suis allé faire les recherches même pour ça. C'est un faux débat. Le père de Gbagbo s'appelle Koudou. Il s'appelle Koudou Zépé Paul. Il a même été arrêté, d'accord. Quand tu as eu l'affaire du savoir, en fait, à Yamoussa. Son père a combattu la Deuxième Guerre mondiale. Moussa. Son père. Emmanuel, s'il te plaît. Il a mis un grand. Faut nous montrer. C'est pas à moi de montrer, c'est à vous d'envoyer les éléments. Vous voyez tout à l'heure. Attends, est-ce que je peux parler? Moi, je peux mettre pour vous. Est-ce que je peux parler? J'ai dit, attends. Donc, faut nous montrer, montre-nous les traits de naissance de Gbagbo. C'est toi qui vas nous montrer. Moi, pour Thiam, là, j'ai mis ici. On a montré l'arbre généalogie. Donne-nous l'arbre généalogie du président Gbagbo. Comme ça, nous, on va voir s'il est d'origine.
Non, tu n'as pas monté l'arbre généalogique des Il y a des débats ici. Je dis ce que je dis là. Ce n'est pas moi qui le dis. Je dis, je constate. Mais ce n'est pas toi qui le dis là. C'est que tu le dis pourquoi? Laisse-moi parler. J'ai donné des noms. Il y a une certaine par exemple. Attends, je viens de dire. Écoute, on ne vous a pas présenté l'arbre généalogique des Tiam. C'est vous qui avez présenté l'arbre. Tiam, c'est vous qui avez présenté l'arbre. Attends, s'il te plaît. Mon père, tu vas descendre. Mais si tu t'en vas là, ça m'énerve d'abord. Parce que tu vas nous. Ça t'énerve. Comme tu dis, c'est RDR qui dit ça là. Mais pourquoi ça t'énerve? Non, mais pourquoi ça t'énerve? Ça doit pas t'énerver. Babola, hé. Babola, c'est un débat qu'on doit faire. Ça doit pas t'énerver, faut avoir le cardio. Non, c'est pas faire le cardio. Tu vois, ton cardio, Kevin, mais nous, on n'a pas envoyé l'arbre généalogique de Tiam. C'est vous qui êtes parti pour donner l'arbre généalogique de Tiam pour envoyer. Donc, si tu es vraiment fâché là, toi, comme tu as les preuves, envoie-nous l'arbre généalogique de Babo pour nous démontrer que Babo n'est pas ivoirien. Laissez-moi poser ma question. Attends, Kevin. Emmanuela, au fait, c'est vous qui avez dit que Tiam était étranger. Donc, nous, on vous a apporté l'arbre généalogique. On vous a démontré que, effectivement, voilà, nous on a envoyé des éléments. Mais tout à l'heure, quand Optimum vous a parlé de père, du grand-père de Babo, est-ce que ça fut du pas que Babo est Babo et Babo est Babo? Non, ça c'est pas crédible ça. Écoute, ça c'est pas une source. Tu vas pas. Bon, n'engage, n'empêche ce que si on vous a donné, son père et son grand-père. Yedi, voici Tiam ici. Voici Tiam, franco-ivoirien, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Et puis je vais te montrer encore d'où il vient, d'où son père vient. Tout ça c'est là, je vais te montrer tout. Reste tranquille. Reste tranquille. Tout est là. Maintenant, si je vois Babola, il va te montrer ça aussi. Hein. Tout est sur Google. Tout se fait pas. C'est Ouattara qui a pas ses traces. C'est Tiam qui a ses traces. L'extrait de naissance. Moi, je veux voir qui est son père. Apparemment, il y a pas le nom. Envoie-nous l'extrait de naissance de Tiam. Apparemment, il n'y a pas le nom de son père sur ses papiers. Donc, pour nous montrer le nom de son père, regardez-moi le RDR là. Fermez vos micros. On va aller dans ce débat là. Voilà. Attends, je vais vous montrer pour papa de Tiam d'abord. Le voici, Amadou Tiam. Tout est là. Hein? Du Sénégal à la Côte d'Ivoire. L'histoire de tant. Vous pouvez aller lire. Tout est là. Maintenant, je vais vous montrer pour Babo. Kevin, tu laisses en bas tes camps d'abord, tu fais monter. Voilà, parce que tu laisses pas l'homme parler. Comme c'est RDR qui dépare, puis tu viens. Donc, c'est RDR ou bien tu es PDC.